activité en dedans droit loin la mettre madame mesdemoiselles et messieurs camper complètement moun pa ka monter moun pa ka descendre tout monde se marqué pas sous place parce que yon mouvement fait toute bagaille camper douane ça li pa ka fonctionner. En pile moun ap mande ki sa passé, ki sa gagné parce que comment ta vle comprendre yon côté ki la pou fè l'argent rentrer mais malheureusement li pa capable. En pile tiré pièce moun pot ko capable comprendre ki sa ki ote tiré sa yo jusqu'à ce que chef sécurité droit noir maintenant li prend balle li même arrivé blessé. En tout cas, ou pral kon tout détail sa yo parce que nous même nous là c'est pour que nous capable informer. Yon l'autre côté madame mademoiselle dit monsieur n'a pas fait comprendre dans un déboulement terre dans l'île de la Gonave gagné 4 moun qui même arrivé fait voile pour payer sans chapeau et puis gagné l'autre qui même rivé blessé. Comment yo fait blessé, comment yo fait rivé prend mon ça. En tout cas, rale ti chaise bon, nous pral informer, nous pral éclairer mais l'on fin tande le pas négliger. Partager, commenter et puis peser ti cloche notification pour pas perdre émission que nous-mêmes nous pral poster. Madame mademoiselle dit monsieur, dans moment n'a parlé là, gen moun k'ap crié, gen moun k'ap pensé qui s'est passé. Bodouane, c'est là yo vinn chercher la vie. C'est là yo vinn chercher moyen pour que capable bay madame yo, bay petit yo pour que capable vivre. Mais malheureusement, côté m'a parlé avec ou là, en dans ça ni dehors toute activité campé complètement. Si on moun ta gagne possibilité pour te vendre yon sachet surette ou ta vendre par exemple yon sachet de l'eau ou pas besoin rive en dans ça parce que ou pas vendre pas gagne moun kap achete nan men yo pas disponible. C'est lorsque on moun gagne l'argent ou acheter, c'est lorsque on moun ou gagne cop nan poche ou déplacer ou acheter côté joine. Si toutefois ou ta gagne pour acheter l'autre côté mais quand il s'agit de bon one one maintenant et en dans one one maintenant n'a faut comprendre que toute activité campée complètement. Ça ôte action ça. Madame, mademoiselle et messieurs, tout le monde connaît gen moto de ou. Gen moto 3 ou. Moto de ou, c'est taxi moto que vous même yo fait ensemble avec lui. Quel que soit côté ou pralé ou gen kop nan men, ou ap capable rive parce que nèg motocyclette sa yo disponible pour y aller déposer pour l'argent. Mais moto tricycle madame monsieur ça qui gen 3 ou yo en pile côté capable constater surtout pour zone métropolitaine nan, en pile moun choisi pour capable faire business avec. Qui business yo fait? Ou ap wè ke yo mette plusieurs bob en côté yo mette galon, yo mette galon jaune pour que capable plein de l'eau poté pour moun pour faire business comme ça tout ou après gagner l'autre côté dans l'autre zone yo barré li yo mettez en l'air pour que vous même capable faire taxi moto ensemble avec lui. Mais madame mademoiselle et messieurs en dedans droit nous là maintenant ou pral joindre côté ou pral prendre disposition pour que capable mander monsieur Sayo pour payer transport que même yo fait de Dahabong à Wana maintenant. Monsieur Sayo trouvez que est-ce qu'il est normal ou est-ce qu'il est pas normal? Léo chita entre eux même madame mademoiselle dit monsieur pour que yo capable connait qui ça que eux même yo a fait, youn pas décidé payer transport ça. Yo pas décidé payer et c'est ça madame mademoiselle dit monsieur qui pral mettre en véritable tension qui pral faire en pile tiré en dedans douane ça côté en pile moun pral commencer réfléchir pral dit est-ce que effectivement yo pral accepter on telle chose pareille. Eh bien en pile tiré pendant que tiré ou pral gagner c'est chef sécurité douane qui pral toucher il pral prendre une balle c'est une axe deuxième action qui pral permettre que activité douane ça li pral camper et c'est une bagaille en pile moun constater quel que soit n'importe moun qui rive dans espace ça ou t'as besoin n'importe ça que ou besoin joindre nan qu'il s'agit de en dedans ou bien dehors ou ap capable joindre possibilité pour acheter normalement maintenant moment n'a parlé là et bien douane nan li même pour façon que le camper a pour façon que li même ni paralysé complètement à cause de monsieur yo qui c'est chauffeur moto 3 ou yo pas accepté pour que capable payer frais que doit payer qui fait transport
Gahabong ensemble avec Wanamet. En tout cas, celle ça que nous connaît, si on moun ou dispose payer, si on moun ou dispose faire transport ou dispose faire business, tout dépend de ça que ou même ou va faire, ou va toujours capable gagner en tête qui sous tête ou qui pour mando faut qu'on frère pour payer. Même moun qui illégal madame mademoiselle et messieurs, yo décidé mandé pour que yo capable payer frais. Lorsque nous prenons par exemple, nèg izo yo, yo débarqué de yo sur route Matisan, yo mandé pour chaque chauffeur gen un frais que yo même yo doit payer. Malgré c'est encore qui illégal, une bagay qui pas supposé faite. Alors que ou pral gagner monsieur Sayo que yo mandé pour capable mandé à tout chauffeur moto toi ou yo pour yo payer, yo pas accepté. En tout cas, Jean en dans ça lui-même, li paralysé a, en pile chauffeur commencer à demander qui ça y a fait. Tout moto tricycle campé, ou gen tout chauffeur moto campé, en pile ti marchand qui te qu'on a dégagé, acheté triple à bout de mêlé tombé a, yo chita la caillou, en pile là-dedans on commencer déplacer pour ouais. Est-ce que activité a reprendre ou du moins qui ça y a fait. De toute façon, ou même qui connaît qui te kon fait activité en dans ça ni de yo pour gens activité ou même yo camper commencer poser tête question qui ça ou même ou pral faire yon façon pour que capable aider ti moun yo aider mari avec aider madame mademoiselle dit monsieur pendant n'a parlé là yon l'autre côté gen moun kap réfléchi qui ça pour yo fait les moun gen moun mouri en Haïti yo crié pour plusieurs raisons. Premièrement, yo pa konn ki côté pour jeune cob pour yo faire enterrement. Yo pa konnen est-ce que moun sa l'a levé ou du moins est-ce ces derniers jours comme ça tout gen kap crié c'est parce que c'est moun sa te konn edel li pa jam jeune moun sa encore. Et ben gen plusieurs moun en dans île de la Gonave madame mademoiselle dit monsieur qui trouvé non si ou constance comme ça qui si ou constance que li nan yon déboulement terrain madame monsieur nous capable dit directement et au lieu de déboulement terrain c'est un déboulement sable gagné plusieurs citoyens qui trouvé madame mademoiselle dit monsieur côté que c'est là il chercher la vie aller fouiller pour que capable joindre ça pour que capable vendre et c'est là tout yo pral créer moyen pour capable blé camion porter pour moun et puis capable chercher la vie. Est-ce que on est amis internautes pendant n'a parlé à là gen moun se compresse qui sous tête yo gen moun se code qui m'a revente yo parce que yo gagné 4 moun qui mouri madame mademoiselle dit monsieur et qui gagne une qui blessé principalement ça passé dans localité yo rele Lavo en dans île de la Gonave. Comment ça fait pendant moun yo madame monsieur yo trouvé ou dans situation y a fouillé y a cherché gagné tout qui était là pour que capable bay espace pour capable rester pour ouvert pour que moun yo capable passer. Eh bien nan moment ça ou pral gen incident ça qui pral passer zami internaute la côté que c'est en l'air lui-même li déboulé ou pral jwenn 4 moun sa yo yo pral faire voile pour payer sans chapeau et gen youn qui même arrivé blessé. C'est une situation qui mettait moun nan en pile réflexion, une situation qui dit moun yo qui ça ou pral faire. En tout cas Jean victime yo mouri madame monsieur en pile moun ta aimé konnen comment que yo relé on pral gen Serigo Charleston Toussaint et Lou ou pral gen Royaume Fanfan ensuite ou pral gen madame mademoiselle et messieurs Rajene Jean. 4 moun sa yo ale ou pa ou yo encore yo ale non sommet éternel malgré c'est pas avec volonté yo que yo même yo ale mais situation li di faut quoi li c'est ça qui est chercher la vie détruit la vie et si toutefois moun te konnen pa nou ap chercher la vie vie après le détruit ou pa tab jam ale parce que ça fait ça ou konnen jou ça li pa tab pour en tous les cas jan situation li montre lié a en pile parent moun sa madame monsieur yo mandé avec l'état
pour créer un moyen pour arriver sous nos pieds pour capable aider à faire funérailles moun sa yo parce que situation c'est pas bon li bon pour yo bagay yo compliqué pour yo retirer yo nan crier parce que les moun nan fin mouri c'est youn fait enterrement c'est deux et c'est ça que fait yo trouvé yo y'a crier ni pour un ni pour deux parce que yo pa wè comment que même yo pral faire funérailles ça madame mademoiselle et monsieur ou même qui trouvé dans espace ça n'a mandé pour moun ki pat konnen et pour moun ki konnen tout li mande pou kapab fè en pile attention à chaque fois que ou konnen yon côté moun ap fouye sab pour que ou kapab al vann pou fè kaye à n'importe quel moment et bien puisque en dans li même li kwe ou capable mourir lorsque gen déboulement terre bon déboulement sab ça si gen yon moun ki en dans si gen deux moun ki en dans toujours konnen quantité moun ki en dan c'est li même kap victime en tout les cas malè averti pas tuer kokobé toujours fait attention yon façon pour capable victime pour pas victime et ou capable vivre plus temps information madame monsieur c'est toujours un plaisir pour qu'on capable porter au pour informer pour connaître tout ça qui a passé que ce soit dans capitale là que ce soit dans zone province là et dans toute Haïti et même dans le monde entier moun ki tap informé la zami internaute li rele Jerry toujours été connecté partager commenter et peser ti cloche notification yon façon pour pas perdre youn émission que nous-même nous poster yo n'a très bientôt dans l'autre émission bonjour bonsoir yo utiliser selon signature dirigeant l'église yo pour yo mettre sous papier ça de concert avec responsable franchise là dans niveau ministère là ou bien yo fait de l'autre stratagème pour arriver joindre document ça yo nous t'aimer mon pic clair dans réponse là monsieur Bozo. Bon, si je comprends bien, la question c'est comment ils ont eu les documents pour faire les franchises là. Est-ce que c'est correct? Bien sûr que oui. Bon, je suis clair sur ça. Et normalement, et ce que je connais bien, moi qui ai un broker, par exemple, j'avais dit l'avenir et Jean, c'est un broker à la douane. Mon broker aussi, c'est Steve Jean, qui est le mari de l'avenir. Moi, normalement, c'est Steve Jean, pour le moment, qui fait tout mon dédouanement pour les conteneurs de l'église. Et l'avenir, elle avait fait ça aussi avant, quand elle travaillait comme broker de la douane. Donc, comme j'avais dit, normalement, à la douane, il est facile, comme j'ai dit, yon moun peut faire, yon travaille une fois, deux fois, et après, là, prendre toute copie des papiers et faire ça livrer avec papier ça derrière ton dos. C'est Gumbozo. Et à titre de rappel, et on l'avait bien évoqué au cours des questions précédentes, le comptable Jean-Gilles Jean-Marie, comptable de l'Église épiscopale d'Haïti, a été interpellé, vous le savez, et cette interpellation a été survenue suite à l'analyse de plusieurs dossiers, plusieurs documents qu'il a signés de 2017 à 2021, c'est-à-dire 4 ans. Et ces documents, et disons mieux, autorisent ou bien ont autorisé le décaissement de fonds à partir du compte de l'Église épiscopale sur le compte de Voudla Sikumbozo. Et de plusieurs années, de 4 ans pour être plus précis. Bon, ça c'est tout à fait, je suis d'accord, c'est correct, c'est bien ça, mais c'est pas une affaire illégale. C'est les, normalement, tout conteneur qui vient de l'église, pour l'église ici en Haïti, ça vient de l'étranger, c'est le blanc qui nous envoie le conteneur, comme don. C'est pas comme si on achète, nous pas besoin quoi pour aller acheter n'importe quoi. Et les Blancs nous envoient de l'argent pour faire le dédouanement aussi. Donc Jean-Marie, c'est son travail pour décaisser de l'argent pour faire travailler ça, qui est travail légal pour l'Église. Moi, ça me fait mal qu'il est en prison pour le travail qui est normal
qui est légal, qui est clair, et tout le monde sait ça, qui travaille dans l'église. Franz Kohl, le secrétaire diocésain du comité permanent de l'église épiscopale, Père Jean-Marc de Cheville, le président du comité, et Père Franz Désiré, l'ancien président du comité. Votre collaboration avec ces dirigeants de l'église épiscopale d'Haïti, qui ça a été? Qui ça collaboration a été? Étant donné que vous êtes révoqué, ou pas de chef opération de l'église là encore, mais ça n'a pas empêché que vous continuez à travailler avec l'église là. Qui sa collaboration avec M. Saoum Sotite là, Teye, qui c'est des dirigeants de l'église épiscopale d'Haïti, entre l'autre et perdu job là, à Jodia? Bon, je vous fais comprendre. Perdu job, je n'ai pas perdu de job en Haïti. J'ai perdu de job des États-Unis. Ça, il faut que ça reste comme ça, parce qu'on ne peut pas changer ces vérités. Donc, et, bon, c'est que vous avez été recruté par le siège social de l'église à New York. Par ce même siège social. Donc, du coup. Et depuis les États-Unis, est-ce qu'il paraît? Oui. C'est ce qu'il y a. Il y a un problème. Comment expliquez-vous cela? Bon, c'est ce que je vous dis que si vous connaissez, vous connaissez pas la loi canonique de l'église. Parce que ça, c'est quoi entrer dans la loi canonique? L'église a ses lois. Chaque diocèse a ses pouvoirs. Par exemple, je ne suis pas venu en Haïti et imposé par le siège social. Est-ce que vous comprenez ça? C'est le évêque ici en Haïti qui a pris la décision finale. C'est pas le siège. Je peux vous dire, j'étais comme si c'est un don du siège social pour aider le diocèse en Haïti, mais c'est pas le diocèse, c'est pas le siège social qui prend la dernière décision, c'est le évêque principal dans le diocèse qui a le pouvoir. Donc, pour aller pour Monsieur répondre Zimbla, à ces questions concernant les élections, selon ce que je peux comprendre à travers votre démarche consiste à blanchir les hommes de l'église épiscopale et accuser pasteur Dieudonné Dey, tandis que dans le rapport de la DCPJ, on a bien accusé monsieur, comment il s'appelle, le père Franz Kohl, comme principal et cerveau, si vous voulez, oui, de réseau de trafiquants d'armes et de munitions, surtout à Village de Dieu. Répétez pour moi, ça, je n'ai pas bien compris. Alors, ce que je peux comprendre à travers votre démarche, c'est blanchir les hommes de l'église épiscopale et accuser pasteur Dieudonné Dey comme principal et personne responsable des cargaisons de munitions en Haïti. Alors que dans le rapport de la DCPJ, on a bien accusé le père Franz Kohl comme principale personne qui fournisseur, disons mieux, fournisseur d'armes et de munitions, surtout à Village de Dieu. Bon, ça c'est triste. Ça me fait mal. Écoutez, je sais que j'ai fait ça, il peut dire ça, il veut dire. Mais c'est pas dit que c'est la vérité. Père Franz Kohl n'a rien à faire avec cette affaire à mon connaissance. J'ai écouté pour la première fois quand on citait son nom. Et c'est Gina Rose qui a dit qu'elle travaille pour moi, mais c'est Franz Kohl qui l'a référé à moi. Écoutez, Franz Kohl m'a jamais parlé de Gina Rose et je suis sûr qu'il ne connaît pas Gina Rose. Et Gina Rose ne connaît pas, Franz Kohl n'a jamais parlé avec lui. Moi-même, personnellement, je n'ai jamais parlé avec Damsa, ni au téléphone, ni face à face. Comment elle a communiqué avec moi. Mais c'est une bonne affaire de mafia qui cherche à coller
a fait Dionne Dey sous l'église épiscopale. Mais écoutez, tellement te dit, et ça n'était pas collé. Ou pas capable de coller Roche sur Tchakov, qui ne peut jamais coller à faire ça, on ne peut jamais nous coller sur nous. Crois-moi. Donc, alors, c'est pour dire quoi? France colle tout ce qu'ils disent, les gens du TCPG, se trompent la route. Et France colle va sauter dans ça, sauf et sain. Parce qu'il n'y a aucune preuve qui dit France Call, il était même au courant de la côté de Dionne Dey. Écoutez, qui est Rémi Lindo? Quelle est la relation entre l'église épiscopale et Rémi Lindo qui a actuellement envoyé le conteneur? Rien. En plus, je vous rappelle que j'avais dit, avant conteneur la venue en Haïti, Dionne Dey, il avait voyagé vers les États-Unis. France Call n'est pas allé aux États-Unis. Et Jean-Marie Contable n'a jamais allé aux États-Unis. Je n'ai jamais allé aux États-Unis. Et donc, on voit les trajections qui prennent la route logique. Pas la trajection qui prend n'importe quelle route. Il faut suivre une route qui droite. Parce que, écoutez, moi j'ai dit, et trois mentis par fond. Tout mentis par fond. C'est un proverbe créole. C'est pour dire que le trou de mensonge n'est pas profond. On n'a pas besoin de chercher loin que la vérité soit réveillée. C'est pour dire quoi? On cherche de ce qui est vrai, qui est connu dans le dossier ça. Qu'est-ce qui est connu dans le dossier ça comme vérité? Ce qui est connu comme vérité, c'est que François Samson, c'est lui qui était allé faire la vérification à la douane. Est-ce que vous me comprenez? C'est qui est Mounsa? Il est quoi pour Père France Cole? Il est quoi pour Mounsa? Il est quoi pour l'église épiscopale? Rien et rien du tout. Mais il est le neveu de Rémi Lindo. Il est le neveu de Dionne Dey. Est-ce que vérité ça, vite difficile à comprendre? Très difficile à comprendre. Quelle relation Rémi Lindo Guinée avec l'église épiscopale au Vunda au Pope Francisco? Quelle relation et François Samson Guinée avec l'église épiscopale? Rien du tout. On ne les connaît même pas. Écoutez, je vous pose la question vous-même. Vous posez la question à moi, je vous pose la question. Est-ce que vous-même, tu peux envoyer une moule à la douane pour faire une vérification pour le conteneur et ou pas connaître Mounsa? Est-ce que lui-même, il peut aller à la douane faire une vérification pour un conteneur, pour un monde qui ne connaît pas? Écoutez, travail conteneur, ce n'est pas le travail de n'importe qui, n'importe quoi, c'est un bagage délicat. Même pour aller travailler dans un jardin de manguier, on ne peut jamais envoyer un monde qui ne connaît pas. Parce qu'il a mangé mango. Est-ce que je me dis? Donc moi, je vous demande qu'on rentre dans la logique qui est simple. Pas rester, on ne peut pas rester dans le mensonge, on ne peut pas rester dans les choses qui n'ont pas de sens du tout. Il y a un monde qui dit que je te connais, il ne connaît pas. Comment ça? Ce n'est pas possible. On peut toujours essayer de mentir, mais ça ne colle pas. France Call ne connaît rien de ça, je ne connais rien de ça. C'est un mensonge bien planifié pour nous coller. J'ai écouté beaucoup de choses sur moi que je n'ai même pas tout dit. Mais c'était bien planifié. Laisse-moi te dire encore une fois. Par exemple, j'ai bien écouté que Dionne Dey, c'est lui qui paye l'avocat de François Samson. Pourquoi c'est pas moi? Pourquoi c'est pas France Com? Qui peut répondre ça? Personne. Et pourquoi? Je suis bien informé que Pasteur Dionne Dey paye l'avocat de Gennaro. C'est lui aussi qui paye l'avocat de l'avenir. Hein? Pourquoi si ce n'est pas pour bien coordonner et les maçons et pour Baimanti? Laisse-moi te dire, qui t'aime parler comme Timoun? Timoun pas Baimanti, vous t'en bien? Même si je n'ai pas fort en créole, mais fais effort pour parler avec eux. Fais effort pour t'en. Et c'est faux pour comprendre la vérité. La vérité est facile à comprendre.
parce que parfois on parle. Monsieur Sikumbozo, à vous entendre, à bien vous entendre, c'est certain que vous avez des informations pertinentes et pouvant aider à faire avancer l'enquête au niveau de la justice. Êtes-vous prêt à collaborer avec les autorités judiciaires et policières dans le cadre de ce dossier? Absolument oui. Absolument oui. J'ai fait mon mieux pour collaborer. Je ne peux pas aller dans trop de détails, mais j'ai déjà fait ça. Et autre chose que tu as posé une bonne question. Et mon collaboration est un peu unique dans le sens que on m'a bien informé depuis quand le dossier a commencé que Léo Plan et les mafias là, c'était pour qu'il pensait qu'on va me vite arrêter, me mettre en prison et planifier qu'on m'assassine dans les prisons. Donc, dans ce sens, j'ai vite compris que ma sécurité est en danger, parce que si je suis morte, il va toujours mettre le dossier sous moi, parce que je suis plus là, et je suis un étranger en Haïti, et seul, sans beaucoup de monde pour me soutenir. Et donc, il était une cible de comme pour dire, qui est faible. Qui est-ce moi, on peut cibler dans ça? C'est moi-même. Et pour utiliser. Créer ennemi pour rien du tout. On connaît les mondes qui ont été, on connaît, ouais, ok, mais aider nous, mais moi, aider nous, même pas aider pays à bon pile, parce que m'pas, ouais, comme si volonté réelle, et qui comprennent ça m'a fait. Pour commencer, mission m'a fini à 8h, on n'y a pas pris à 9h encore. Parce que pas gagné intérêt pour ça. L'on lit dans le plus gros livre, vous comprenez. Et comme nous, en pile, là, nous comprenons, nous comprenons pas que cabrit, vous mené dans le pack, dans l'abattoir. Et puis, courir pour te brûler, et pas un problème. Et ça te fait, moi, je me fais garder nous à distance. Parce que je n'ai pas de temps où on prend pour me garder charabia, mon appui, crier, je n'ai pas de temps pour faire ça. Je me fais trop de sacrifices déjà dans la vie. Ok? Ça dit, Ariel Henry, monsieur, c'est premier ministre. Monsieur, c'est président. Monsieur, c'est ministre de l'Intérieur. Ça veut dire, quand ça veut dire là, tout ça de gain pour la sécurité, je suis dans l'emploi Ariel Henry. En plus, Ariel, c'est aussi le ministre de la Justice. On va l'expliquer. Ariel, pour madame Sal, mettez là, Emily Prophète, son marionnette lié. C'est parce que Ariel va vouloir rester dans le poste là. Pour la gérer plusieurs ministères, il dit madame n'a fonti kembe. Sinon, l'a gêta changé. Il dit, ah, on est au même côté. Et même côté au sorti, oui. Et moi, même, mon en bas, oui. Et puis, il met il là. Et puis, il dit, fonti kembe ministère justice pour moi. Hein? Attendez, oui. Ça veut dire qu'elle dit, fonti kembe ministère justice pour moi, mais on est c'est moi qui a géré bah, yo. Ça veut dire, tout ça de gain pour acte sécurité publique. Tendez oui, tout ça de gain pour acte sécurité publique dans deux plans mais Ariel Henry. Ça veut dire. Et le coup y'en a le font constat. Tendez oui. Tout ça de gain pour acte sécurité publique, il est contrôlé par Ariel Henry. Qui est-ce qui dans douane actuellement là? Monsieur Poé Salvé. Il a fait toute malheureuse malheureuse monter le ciel par dos. Actuellement, malheureux, pas qu'à dédouaner en yé. Non, en qu'un douane dans le pays. Ariel Henry mette directeur général li, pour péter 51 malheureux malheureuse, qu'a brassé la vie. En bas, insécurité, chômage dans le pays. Et puis, monsieur a fait quoi? Li plein femme, la brassé, marché tout côté, et puis, y'a pas gardé. Et puis, n'a fait l'argent avec en bas, prend poste, y'a défendre peuple. Et c'est moi qui a attaqué. M'bagentire, continue à créer de misère, m'bagentire de m'bap vivre Haïti. Bon, m'dino, moi-même, mission, est-ce que j'aime d'un démission, m'nama de moun kachap zel? Bon, là, mon courant, vous bouche l'île, dit ça, mouri, oui. Ou à même d'un débat, ça, m'pas m'en débat, ça.
Vous comprenez ça? Émission m'a fait là, li plus que ça. Son moun décide sur web, même abonné m'a dit mon abonné non. Parce que sous son bon citoyen ou regarde l'émission, son obligation pour abonner là-dedans soit appréciée. M'a regardé donner analytique moi j'ai plus que 3 millions de visiteurs sur channel YouTube moi. Plus que 3 millions de visiteurs. Combien qui abonné là-dedans? M'a pas dit abonné. M'pa gen temps parce que travail pa menal pa vin mande moun ni kachap ni zèl ni étoile ni rien sou fèl ou juste fèl parce que ou renmèl ou apprécier ou supporter même pa mande ça parce que m constater Haïti a effondré moi utiliser espace pour moi qui coûte même gabay pays a.